Salut à tous. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer la vidéo comment démonter vos étriers de frein ainsi que l'amortisseur. Donc ça, c'est des gants spéciaux qui viennent d'Amérique, qui résistent aux produits chimiques et sont assez costauds. On voit les mêmes dans les démolisseurs de l'extrême quand il y a des os de 747. Pour démonter l'ensemble, on va enlever déjà les étriers. Donc pour les enlever là, c'est tenu que par deux vis là. Donc on prend une clé là, Allen. Alors quand c'est bien grippé, peut-être si je serre, je n'ai pas mis du bon côté. Bon, ben apparemment, il m'a l'air bien grippé ce con. Donc dans ce cas, pas hésiter à cogner dessus, parce qu'avec la rouille, alors, le côté gauche je l'ai enlevé facilement. Et sur celui-là, putain. Et est-ce qu'il est coriace? Il est coriace celui-là quand même. Pas non plus si je m'abîme à la clé quoi. Il y en a déjà un qui vient. Donc comme je vous le dis, faut pas hésiter à taper dessus, hein, c'est de la fonte. Vous ne risquez pas de le péter. Hein. Pour vous dire, si on l'abîme, c'est pas bien grave, parce que du moment qu'on change les étriers, on donne les coups avec. Hein. Il est en train de démonter là. Donc voilà, les trous là, il visse juste que là, ce qui maintient c'est tout. Donc de ce côté, pour le défaire, par là, faut taper. On va mettre. Comme ça, voilà, elle est venue.
Voilà, second. Donc, normalement, il tient que par ça. Donc maintenant, on va faire bien les rester. Hop, voilà. Donc, vous pouvez voir les plaquettes. Donc voilà, c'est bouffé là. Donc en fait, elles sont juste posées, hein, les plaquettes. Il y a juste ici, il y a un clip, voilà. Je l'ai défait. Donc voici les plaquettes d'origine. Donc ici normalement vous avez tout un joint, donc le liquide passe là-dedans. Donc tout ça, bon, je vais le commander à l'usine. Je vais changer carrément tout le bloc, ainsi que la durite. Il est préférable parce que bon, tant qu'on y est, ça évite les mauvaises surprises. Mais, hop, il est tenu par la boucle. Les tuyaux, je vais les changer, je vais les mettre en inox. Donc voilà, le fameux bloc là, l'étrier. Allez, les tuyaux. Ensuite, une fois que l'étrier est retiré, on va passer au disque. Donc le disque, comme j'ai expliqué vite fait sur une des vidéos, bon, c'est évidemment les plus impossibles, mais j'avais défait pour aller plus vite. On prend un petit tournevis, un marteau, on défait le cache. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une goupille qui le maintient. Donc, on fait ceci. Un petit coup de marteau. On va essayer de la faire sortir gentiment. Si elle veut bien, parce que ça remonte. Donc, on va essayer de l'enlever, cette goupille. Donc la goupille, même si vous l'abîmez, c'est pas bien grave. On vous en donne quand vous changez toutes les barres. Hein. Le boulon. C'est du moins. Le fait que ce soit tordu, ça m'emmerde. Et là le problème. Elle est tordue. Donc quand c'est tordu, et bien ça vous emmerde. On va sortir. Côté conducteur, je l'ai fait tranquillement sans être emmerdé. Et là, le côté droit, il me donne du fil à retordre. Pas tarder là.
Donc la première étape qui est passée ici. On multiplie. Et on divise. Vous pouvez voir, ça n'est facilement. Vous allez comprendre, derrière il y a une petite système à roulette. Vous voyez, dès que je le divise, ça pousse. Très important, il faut toujours que ça reste noyé dans la graisse. Hein. Spécialement pour roulement, je précise. Et ici, il y a le petit trou pour la languette. Donc vous voyez, petit roulement à billes. Et donc, comme on peut le voir, il vient. Donc, ensuite, il y a un autre roulement. On peut voir qu'il baigne bien. Donc normalement, on peut emboîter là-dedans, juste ici. Vous pouvez le voir. Donc ça, il faudra le remettre. Donc voilà, après comment c'est foutu là. Donc ça c'est le bouclier. Donc ça, le disque, c'est l'histoire ancienne. J'en ai un tout neuf. Ensuite, voilà, l'étoile d'araignée. On va s'attaquer au bouclier qui est tenu par trois écrous. Donc, si je me souviens bien, c'est du 11. Bon, soit faire attention quand même de ne pas l'abîmer le bouclier, parce que l'usine n'en produit plus de ça par contre. Il y a certaines pièces qu'on ne peut plus avoir. Donc ça en fait. Donc le poncer, faute de l'après époxy. Donc ici vous voyez, il y a un petit joint. Donc ici on a l'amortisseur. Donc bien brossé. Donc ces amortisseurs, quand je regardais sur l'autre, ils viennent du Canada. Faut pas croire que toutes les pièces sortaient de l'usine GM. Il y en a qui provenaient de Mexico, Canada. Parce que le 3K, ce sont la marque AC Delco. C'est une marque qui fait plusieurs pièces pour plusieurs modèles de voitures. Donc ça peut être que très bien un Pontiac, Camaro. Et autre voiture. Donc l'amortisseur, il est tenu juste par ces deux gros blocs là. Donc le point important, ce qui soutient le triangle, c'est ça. Donc pour le démonter, il faudrait le soulever un peu. Et il va falloir lui mettre des cales en bois pour le soutenir. Parce que quand je vais le défaire, en fait, ceci, ça va tomber. Tout le poids va se reporter. Donc
Je vais chercher les cales en bois. Je le soulever après le cric.